Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Breath of Fire. La dernière fois, alors c'est compliqué parce que pour moi c'était il y a 2 semaines que j'ai à peu près tout oublié. Si ce n'est que on a fini le labo, on a affronté un boss, ensuite on est allé chercher de l'huile pour soigner quelqu'un qu'on a dû rebattre 2 fois, qu'on l'a pas tué. Mais qui est redevenu normal, puis on a dû tuer une plante. Basiquement, et maintenant nous sommes à Gust. Et on doit continuer, je ne sais pas où. Et en checkant une solution, parce que je rappelle que la carte est extrêmement claire et lisible de ce jeu, ainsi que les indications, il y a un second pouvoir qui devrait se trouver, voilà, qui se trouve juste ici dans le lit. Et donc, Maestro serait un second pouvoir dans le jeu. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est dans cette maison juste ici. Donc, je vais juste voir qu'est-ce que c'est. Alors, il me semble que c'est un sort. Objet. D'accord. Vital. Maestro. Parle au cœur. Ah, c'est tellement beau! C'est tellement beau, putain. Donc, nous avons fini ici. Donc, Gust. Enfin, bref, ce village. Il n'y a plus rien à faire. Donc, nous allons prendre le pont qui se trouvait, enfin, qui se trouve toujours même, juste à côté de la forteresse. C'est-à-dire que là, il y avait la plante. Ici, là, imaginez qu'il y avait une plante. Là, il y a la forteresse. Et juste à côté, en fait, il y a un pont. Oh mon dieu, à mort! C'est un combat. Bonjour, je suis un boss. Très bien. Parfait. Oui. Alors. Je ne suis pas prêt. Genre vraiment pas prêt. Oui. Bon. On va dire que si. Je suis prêt. Je suis toujours prêt. Je vais juste bourrer mon attaque. De la fusion. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est. Oh, c'est vachement moche en plus. Oula, petit dégât de 119 déjà, c'est petit dégât. Ah putain, ouais, c'est mort. Là, c'est mort, il me faut... faut que je me change. En quoi je pourrais me changer? Mettons dragon... Ouais, tonnerre. Nina, bon. On va attaquer. Toi, tu vas y arriver. Toi, on va te changer. On va te changer avec la magicienne qui va nous faire un sort de niveau 3. Ouais, tiens, l'orage. Voilà. Là, c'est quand même con de mourir sur un boss au début. Ah, merci, l'attaque de zone. Alors ça, c'est pas logique parce qu'elle vole. C'est tellement pas logique. 95. Oh, c'est pas mal. Parce que mon attaque orage, ça fait quoi là par contre comme dégâts? Bon, Beau il survit. Et toi, t'as pas un sort de soin quelque part dans ta vie? Non, t'as pas de sort de soin. Très bien. Dans 19, mais il n'y a que Beau qui... Parfait. Bah, c'est incroyable. 130, non, ça va encore, c'est pas trop dégueu. Sortilège, on va augmenter... La chance... Non, la défense. Tu as tout augmenté la défense. Et toi, bah tu sers à rien, a priori, de ce que j'ai vu. Donc, boule de feu. Alors, pétrifie pour le sort de défense, c'est un petit peu bizarre. Et... Ah, c'est parfait. C'est génial. J'aime ma vie. Alors, ce sort de feu qui fait absolument aucun dégât. Donc, on va complètement rester sur l'électricité. À moins que gel... Ah, c'est ton... À moins que boum. On va rester sur orage.
Ah, mais orage, c'est un sort de zone, très bien. Et c'est un sort, oh, super. Bon, ça, ça bon, ça, ça bof. Et ça, c'est parfait. Tonnerre, alors. 95. Ah, c'est... On sait pas trop. Là, je suis dubitatif, légèrement. Essayons l'explosion. Ou non, le gel, tiens. Je dubite légèrement, mais il y a que... Ah, parfait, un mort. Il y a un mort, au moins. Il y a au moins un mort. Et c'est... Non, même pas, il est mort. Alors, le blizzard qui fait... qui fait quand même du dégât. Alors par contre l'objet, est-ce qu'il m'en reste? Yes, l'éjection. Et puis en reste on va partir sur, d'accord. Donc tac, objet d'éjection. Normalement je suis prioritaire. Et on va rester sur gel. Ah! Ah là là, bon, bah Nina, mort. Et la magicienne, mort. Parfait. J'ai pas un V2 là-dedans. Si j'ai un seul V2, il va falloir que je passe mon racheter V2. Sur la magicienne, parce que Nina, on s'en fout complètement. Et voilà, encore. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Bon, en ce cas... Attaque, beau, vu que c'est lui qui est en premier, enfin, c'est Karn, et ben il soigne, et toi, tu vas continuer avec gel. Voilà. Du coup, d'éjection, si je porte. Mon déjection ressuscite les gens. Très bien, je retiens. Je viens de cramer un objet ultra pété. Putain, mais 121, qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est quand tu veux pour mourir, hein. Allez, on fait un effort, on essaye de le décéder. Écoute, c'est difficile, je sais, mais dans la vie, il faut faire des efforts. C'est con que ça n'ait pas de sort, ça. Je vais quand même essayer Boom dans le loot. Je sais jamais, ça peut être utile. Même... Ah, puis il continue les attaques de zone. Il bourre les attaques de zone. Eh bah parfait, un mort. Ouah, c'est pas super utile. Allez, on fait un effort, on essaye de mourir. Allez, c'est difficile, mais on essaye. Non, toi tu veux utiliser un objet. Je n'ai plus de déjection, je ne sais même plus comment je l'avais chopé. Merde, j'ai fait B. C'est quoi ça déjà, pomme? On récupère quelques PV. Si ça me récupère que 4 PV, je suis déçu. Bon bah elle est morte. Un critique? Ah la vache, même le critique passe pas. On va bourrer. Un critique? Oh parfait. Yes. Par contre j'ai 2 morts. C'est parfait. Jusqu'à scandale. Ah cette blague. Ouais par contre, oh le monde qui est mort. Par contre il va falloir que j'achète un max d'objets. Je vais acheter un max d'objets avant de partir. Donc le petit moment chiant. Parce que je vais acheter des objets. Enfin je veux dire me reposer. C'est le moyen le plus simple pour gagner au moins toute ma vie. Et ma magie. Et puis après, pause achat et on sera bien. Non, dégage, c'est pas ce que je voulais, dégage. Le marchand, il est en haut. C'était en bas. Achetons. Oui, alors je veux t'acheter des trucs et des machins. Faire-tu t'assurer? Ah, mais c'est ça! Ah, bah, je vais t'en prendre 5. Soigne est un zombie. Des glands, j'en ai. Charme. Ouais.
soin. Ah, il vend pas de vie. Attaque fatale. En prendre un. Et soin, genre prendre. Voilà. Je n'ai plus de déjection. Putain, ça me fait chier. Ça m'énerve. Ah, c'est énervant. On va juste ranger. Voilà. Je suis ennuyé. Je suis un peu ennuyé, je dois vous l'avouer. Bon, tout est ok. Donc, c'est parti pour Scandale. Oh, ce nom de merde. Ah, vache. Alors, juste, qu'est-ce qu'il y avait de ce côté? Je suis juste un peu curieux. D'accord. Bon, bah, en fait, tu verras rien. Enfin, si, ça devait être pour la suite. Oh, regardez-moi ce décor. Oh, regardez. Ah, vas-y. Alors, attendez. Voilà. J'essaie juste de mettre au milieu. Je vais essayer. Ah, voilà, là c'est parfait. Voilà, c'était juste pour avoir la miniature. Là c'est parfait. Je pense pas qu'il y aura de combat de boss. D'habitude pour les miniatures j'utilise des combats de boss. Ou de monstres un peu forts. Là c'était juste parfait. Donc attendez, j'essaie maintenant de me repérer de où je dois aller. Ok. Je vois, je dois juste descendre ici, si j'ai bien compris. Passer là. Et je vais me retrouver à battre des crabes de toutes les couleurs normalement. Et il faut que j'utilise la furtivité. Parce que vous aussi, je sais que vous en avez marre des combats qui durent éternellement. Donc c'est Brume contre le mal. Oh, ça sonne tellement attaque Power Rangers. Et là je peux pas y aller. Et mine de rien, j'ai l'impression que ça marche. Et ça c'est cool. Alors ensuite là c'est compliqué. Il faut que... Il y a un truc là, non? Non, c'est moi qui rêvais. Donc il faut que je descende. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait les couilles. On dirait les couilles, c'est trop bien. Oh, attendez, c'est beau ça. C'est très très beau. Alors par contre, c'était pas là où je devais aller, j'ai l'impression. C'était absolument pas là où je devais aller. Oui, alors attends la carte. D'accord, c'était pas là du tout. Il faut juste que je remonte. Voilà, c'était ici. Voilà, vous l'avez vu, c'était ça. Je devais aller ici. Bon, bah, petit donjon. Je suis. Je suis dans. Quoi? Qu'est-ce que. Ah mon dieu, une petite fille, vite! Elle est là! Le monde des rêves. Kawa. Ouais. Oui, les bits 3 ne fonctionnent plus. Et bah, tant pis. Ouais, très bien. Donc, quoi? Les timelines pour pouvoir recommencer son rêve, vous l'apporterez-vous? Ok, j'ai reçu un capuche. Qu'est-ce que ce capuche? Objet vital. Toute langue est claire. Ouais, donc c'est basiquement. Alors, basiquement. Basiquement, c'est un dictionnaire. C'est ça, franchement. Non, ne te fous pas de moi. Le jeu n'essaie pas de te foutre de moi. Donc, suivons le jeu. L'ATP. Ah, Tenan. Eh, mais non, il nous manque 3 villes et puis j'aurai tout. Et c'est pas mal. Donc. Ah mais attends, Tonland, c'était pas là où j'étais passé en furtif. Ah, c'était une strat de speedrun, d'accord. Ok. Et maintenant, je dois aller. Je vais passer à l'armurerie. Parce que a priori, il y a des trucs pas mal. Donc on va se faire chier. On va se faire chier. Alors, acheter. Oula. Attends. Attaque 8, attaque 14. Donc, pour bleu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Robe légère, robe soie. Ah, attendez. 60, 70. Donc, une pour toi. Une pour toi. Voilà.
Petit équipement, pas super intéressant pour tout le monde. Surtout pour elle. Ouais, un peu plus d'attaque. C'était quoi? C'était ça. Pour toi. Et pour elle, c'était Remuster. Ah bah si, quand même, pas mal de défense. Pas mal de défense, c'est pas mal. Alors ensuite, je dois passer au truc qui est à côté. Alors attends, pourquoi j'y vais par contre? Que j'essaye de pas me... Que j'essaye au moins de comprendre ce qui se passe. Ah oh, c'est marrant ça. Oh. Attendez, on m'a dit il y avait un swap color nul. Ah, ils l'ont viré! Normalement, il y a ici quelqu'un avec un swap color nul de Nina. Ouais? Ah non, c'était. Ah non, ça devait être là. Ah non? Merde, me serais-je trompé? Ah non, parce qu'il fait nuit. Ah ah! Les événements dus au. Parce qu'il fait nuit jour. Putain, j'adore ça! Génial, j'aime beaucoup. C'est parfait. C'est vraiment parfait ce qui se passe. Ah non, je suis trop con en fait. Il fallait juste que je monte. Voilà, en fait, il fallait déjà monter ici. Ensuite, il faut aller là, monter ici. Et en fait, là, il y a des autres escaliers et il faut aller là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je le prends bien. Et alors, en fait, alors attention. Regardez. Oh, c'est magnifique, un swap color. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu voles moi. Bah si. Ah mon dieu, c'est une intrigue un peu nulle, ouais. Ouais, donc en fait c'est ça. D'accord, donc là je ne sais pas ce que celui-ci est en train de faire. D'accord, alors en fait là je ne sais pas ce qui se passe. Ah, d'accord. Alors, celui-ci est un petit peu dégueulasse, je dois vous l'avouer, parce qu'il met un peu tout et n'importe quoi où il veut. Donc, c'est un peu normal si vous avez... De toute façon, je ferai une petite coupe, je pense. Donc. Faut retourner à Gust. Gust. Et ensuite à Gust, il faut... Vite les boutons. Il faut chercher un trou dans une maison. Maison qui se trouverait être celle d'un petit vieux, si j'ai bien suivi. Et c'était pas la bonne maison, c'était celle tout à gauche. C'est-à-dire celle où je suis parti, comme un con. Hein. Et en fait, il fallait pousser ça là, parce que il fallait voir un trou. Mais en plus, comme on s'amuse beaucoup dans ce jeu... Il y a un puzzlé. Le meilleur puzzlé du monde. Hein, je... Ah putain, le meilleur. Oh la vache, le meilleur puzzle du monde. Ah bah attendez, non, c'est tout con. Regarde, hop. Hop. Et puis hop là. Et oh, magie, il y a quelqu'un. Alors attendez, il faut que je mette Nina. Non. Ah, il faut que je mette Karn. Hop. C'est vrai. Il faut mettre Karn, parce que Karn est un privilégié. Hein, ce serait pas drôle sinon. Donc, qui c'est que j'ai mis? Karn, voilà, regarde. Waouh. Yay. Ah, Karn est devenu un joueur de foot. Mince. Disponible sous l'eau. Quoi? Je ne comprends pas. Ah oui. Donc... Ah bah d'accord, je suis sorti, très bien. Donc maintenant il faut...
Elle est sous le lit. Donc il faut que j'aille sous le lit. Sauf que c'était déjà ce que j'avais fait. Hop, je l'avais pris. Et oui, j'avais déjà l'objet de la quête. Pourquoi ça me l'a pas compté? Je ne sais pas. Et alors, ensuite là, qu'est-ce qui se passe-t-il? D'accord, je dois monter, je dois retourner à Tunnel. Je comprends pas la logique de ce jeu en fait. C'est un peu dommage. Alors que ce jeu est très beau. Donc maintenant il faut aller à Tunnel. Parce qu'a priori à Tunnel on ne savait pas parler le langage. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc faut aller tout en haut. Mais bien tout en haut. Alors, tout en haut. Dégage. Oh je t'en supplie, dégage. Merci. Et donc il faut dire, oh là là, je sais vous parler. Mais en plus, j'ai un instrument de musique. Bonjour. T'as un problème ? Très bien. La clé temps. Pas TPS, hein. La clé first person shooter. Third person. C'est ridicule. Ah. Mais je te dis que c'est important. Oh, très bien. Eh ben, au revoir. Voilà, je laisse tomber le problème. Je m'en doutais. Les marques sur son dos. Les marques sur... Quoi ? Qu'est-ce que... Hein ? Mais c'est dégueulasse. Les marques sur son dos. Mais de quoi tu me parles encore ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marques sur son dos ? Et... L'histoire de Marc sur son dos. Attendez, monsieur. Attendez. Hein? Ninja, tcha. Excuse-moi, pouvez-vous retourner? Non, mais retourne-toi. S'il te plaît, retourne-toi. Oh, y'a. Bonjour, c'est discret. Ah non, de l'autre côté. Attendez, excuse. Oh là là. Bon, ça se voit tellement qu'il y a un truc. T'es passé où la vieille? Elle est passée là. Elle est passée là. Oh, bonjour. Ah mon dieu, c'était un piège. Ah mon dieu, je tombe. L'aile. D'accord. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ok. Ah, c'était là. Regarde, il y a un trou. J'ai vu le trou. Oh, une salle au trésor. Cool. J'ai une herbe. Un melon. Je vais aller super loin. Très bien. Mais alors, je suis... C'est mal foutu, ces souterrains. C'est très, très mal foutu. Ah non, mais casse-toi. Ah, mais casse-toi. Merci. Bon, donc... il faut pas aller sans les statues. Parce que sinon, elles attaquent. Je retiens. Mais j'ai pas vu les marques sur son dos. Elle veut pas aller. Elle est cachée. Ces marques sur le dos sont cachées. Donc... Salut. Oh, tu m'énerves. Tu m'énerves. Bon, et ben, moi ce que je vous propose, hein, parce qu'a priori il existe un item qui permet d'avancer le temps, sauf que je l'ai pas trouvé et que c'est énervant. Excuse-moi, foutu.
c'est de faire une ellipse qui va être très rapide, qui va durer, je pense, une trentaine de secondes en plus. Et puis on va se retrouver dans le palais parce que le jeu a décidé de me faire chier. Voilà. À tout de suite. Il fait nuit. Ouais, juste attendu une petite minute. C'est pas trop dégueu. Allez, on y va. Ouais. Ça va être trop bien. Après, on va ouvrir la porte, on va récupérer la clé. Et on va s'arrêter parce que cet épisode est long. Ah non, non. L'escalier, il est ici. Non, non mais... Non mais... Mesdames, mesdames, s'il vous plaît. Respectez mon autorité. Mesdames, s'il vous plaît. Mesdames. Non, non, c'est faux. Très bien. Dans ce cas, je vais devenir Solid Snake. Car j'ai repéré le point faible de la salle. Et oui, on ne la fait pas, non. Faute. Il y a un trou dans le mur, Snake. Ah, j'ai tout vu. Bleu, rouge, blanche, de gauche à droite. De grosses marques, donc. Moi, je pense plutôt qu'elle a des boutons. C'est mon avis. Bleu, rouge, blanche, même les étoiles que sur les portes. Waouh, j'ai poussé. Putain, vous êtes sérieux? Waouh, j'ai poussé une étoile. Ça ne m'a pas l'air de marcher. C'est pas moi, je suis caché. C'est pas moi, c'est faux. Vous n'avez rien vu. Bonjour. What the f... Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est moi, j'ai appuyé sur le bouton. Comment? Un combat à 4 contre 4? Bleu, j'ai pas confiance. Oui. Alors. Alors, l'écran blanc, c'est... c'est concept. Elle a juste... tout cassé. Oh non, Zeus! Oh la vache! Oh là. C'est drôle. Ah mon dieu! Et en fait, Serle était un hologramme. Oh là là! Meuf, le respect, il est mort. Bon, les écrans blancs, je veux bien que ça puisse... Ah, très bien. Très, très bien. On était censé récupérer une clé. Merde. Bah, donne-moi le traversin. J'ai le traversin. Dans le coffre. Le coffre. Tu veux dire le coffre là-bas. Oh, c'est bien de refaire des tours et des détours. Alors. Ah, bah parfait. Ah, merde.
Ok, c'est ma faute. C'est ma faute. Je reconnais. Donc, ellipse, encore une fois. Voilà, c'est bon. Je suis revenu. Je suis revenu. Tout va bien aller. Alors. Donc, attention. Voilà, le traversin. Un melon. Un autre melon. Il y a un coffre avec... Ah, déjà, ah, parfait. Un item craqué. Ça, c'est le item craqué. Alors là, il y a... Ah, d'accord. Je me sens un peu con, du coup. Bien, bien, bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo qui est... Petite vidéo, enfin, cette grosse vidéo sur Breath of Fire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, même si on a eu un peu de mal à s'en sortir, je dois l'avouer. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à partager, à me suivre sur Twitter. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire.